Coquin Chen, bonsoir pour nous toutes. Ah oui, c'est pas la peine pour moi de nous qui j'ai un week-end noté. Moi, sûr et certaine que nous t'es passé un bon week-end, surtout avec programmation télévision nationale d'Haïti. Déjà, m'a souhaité tout le monde une bonne semaine en compagnie de télévision nationale d'Haïti. Jeudi à ce premier paraît journal là. Merci à vous-même qui déjà branché nous. Avant d'aller plus loin, quittez-nous dire quelques points qui pourraient faire essentiel jeudi à dans le journal là. Jacques Mel a fêté Guédé, c'est un baptême ça, plusieurs milliers de curieux pratiquants vaudou et fait déplacement pour un lieu dans la ville Jacques Mel. Dans l'occasion du déroulement 3e édition Guédé Festland, samedi 3 novembre 2018. L'événement ça a été déroulé sous place à Toussaint-Louverture, dans l'idée pour être capable de faire promotion Guédé comme patrimoine culturel pays. Journaliste romancier français Philippe Lanson remporté prix féminin 2018 l'an grâce à Romali qui titrait Le Lambeau. Roman ça qui racontait attaque qui était faite 7 janvier 2015 l'an sous magazine français Charlie Hebdo. C'est pour ça et avec divers autres quoi qui pourra le faire essentiel jeudi à dans journal là. Merci à vous-même qui était branché. N'a pas tourné après pause là. Année sans encore, Radio Télévision Nationale d'Haïti pour célébrer fête Noël là dans l'amour, la joie et partage a lancé un gros concours chanté Noël sous thème Noël pa nou. Musiciens, chanteurs, compositeurs, faites appel à vos génies et produisez les plus belles chansons de Noël inédites au rythme musical qui vous convient. Conditions pour participer à simple. Faut que musique là pas dépasser 3 minutes et faut que les respecter thème qui choisit pour année ça. À l'occasion de la Noël, la Radio-Télévision Nationale d'Haïti veut couronner l'excellence en pile gros récompense pralbay. Yo million good, wow! Yo million good! Jeunes artistes, confirmez vos talents à cette nouvelle édition. Inscription yo gratis, yo déjà commencé et a fini 10 novembre kap vini là. Pas oublier marché à qui yon photo groupe ou bien artiste solo kap participé à qui yon pièce identité valide. Si jou ap inscrit à musique la pour comparer ou gen 8 jours après date inscription pour faire ça. Pas printemps, c'est qu'à chance pour gagner concours chanté Noël là à Nessa. Pour plus d'informations, passez dans local Radio et Télévision Nationale d'Haïti, autoroute Delma, Anc Delma 33 ou bien relé dans numéro ça 42 97 14 42. Bega, entre petit. Ah, ça passe ça réglé. Ah, ou koné, de nan zon nan la mbase wè ou, ki mirak. Et puis soti mbral soti la, oui. Gade non gachive ka soumi. Gade chè ou bel, gade chè ou boukle. Et pas avant d'être kade woz. Sante kompran. Comme si, ou pa kon sérum nat. Sak sérum nat la. Bon mwen, chita m'explique ou. Qui t'aime dire, sérum nan, c'est un produit dans la gamme natlan qui est très efficace, qui est bon pour tout type d'alopécie ou gain. N'importe côté, et j'en cheveux ou manger, y a poussé. Ou besoin de fournir et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nan, li qui mire, li sous tout marché, market, pharmacie, et même dans quelques studios de Grécis qui est dans Delma 87. Chérie, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chérie, vous entendez tout bagay. On a lâché gamme nat, on a lé. Oh! Kasoumina lé! Sérum nat. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait l'axe aussi pour m'offrir ce qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous pirater le travail, ouais. Si nous refusons de payer pour travailler, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respectez les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça que nous avons gagné pour nous.
tout n'a propose là merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a démarré avec journal là pour nous faire connaître journaliste romancier français Philippe Lançon remporté prix Femina 2018 là grâce à roman li qui titré Le Lambeau romancier qui racontait attaque qui était faite 7 janvier 2015 là sous magazine français Charlie Hebdo en côté il était blessé bien mal n'a pas coulé il remporté l'autre prix tant coup prix NSI du journalisme littéraire dans l'année 2011 avec prix Jean-Luc Lagardère du journaliste de l'année 2013. Saïd Antoine a présenté nous un papier. Prix Femina qui c'est un prix littéraire français, été créé dans l'année 1904. Une façon pour contrecarrer prix Goncourt, prix été acquis qu'a fait discrimination contre femmes. Le 17 novembre 2018 là, même jury prix Femina désigné Philippe Lançon comme lauréat 2018 pour livre qui titré Le Lambeau. Journaliste romancier a raconté Calvin était cibé pour reconstruire physiquement et mentalement. Après, il était prend balle côté il était bien mal. Il retraçait tout événement en total pendant qu'il était metté en évidence dans l'IMSA, portrait avec amis femmes, ex-ménage, maman, grand-mère, même aide-soignante qui était vivre parcours difficile ça avec lui. Dans sa li raconté après sorti livre ça dans mois mai 2018 là, il dit il pas senti aucune colère. Malgré l'été obligé de subir plusieurs interventions chirurgicales. Écrivain 55 l'année, parole comme sociologue ni politicien. Dans l'ISA qui recevra prix ça, il était senti l'impératif pour le Kimbe quelques détails choquants. Avant Le Lambeau, Philippe Lançon a écrit Les îles dans l'année 2011, Je ne sais pas écrire et je suis innocent dans l'année 2004. Écrivain ça a joué l'autre distinction en tant que prix Jean-Luc du journaliste de l'année 2013. Ak prix NSI du journalisme littéraire dans l'année 2011. Compagnie Brigade d'intervention théâtrale s'est invité donner 15e édition festival Quatre Chemins qui pourra la dérouler dans différents espaces dans zone métropolitaine Lens sorti 19 novembre pour arriver 1er décembre 2018. Compagnie Théâtre Bitlan existait depuis l'année 2011, c'est une compagnie qui fait parler de lui en pile sur les réseaux sociaux surtout à cause représentation originale l'icône bay dans la ria. Une maman fondateur compagnie ça Eliezer Guérisme tapoté précision sur proposition artistique yo ak différents spectacles yo pral jouer dans festival Quatre Chemins à Nessa. Yo extrait dans micro Michel-Ange Dalcé ak Dieudonné Lidier. 20 novembre là à 5h dans Yonvalou on a présenté une conférence et sous thème la fiction et la foule parce que nous connaissons que Beat Haïti à travers différents spectacles yo mobilisé en pile foule là, c'est-à-dire nous travaillons, nous réagissons en pile sous foule là. Donc, nous proposons une conférence comme ça avec James Pubier qui est membre compagnie, qui n'est pas comédien, qui est éditorialiste compagnie et qui travaille tout comme responsable de communication dans la compagnie depuis pratiquement 5 ans. James Pubier a un présentateur et enfin un conférencier pour conférencier là. A bien Billy, Jean-Billy Mondésir, qui sont auteurs que nous tous connaissons, qui est très proche Beat, qui toujours réagit à chaque fois sous et travers nous. Et puis, il y a et Stéphane Saint-Hil qui travaille ensemble avec nous de très près pour compagnie qui travaille sous lancement d'ailleurs premier moment festival en lisant Stéphane était ensemble avec nous là comme modérateur dans le cadre festival si là et en fait dans le cadre conférence là 23 et 24 on a présenté Tabataba c'est a fait dans jardin de la Focale là et Focale là et un spectacle ça son pièce de théâtre qui est écrit par Bernard Marie Coltès Anissa n'a fait ou l'autre représentation de Tabataba, qui d'ailleurs a joué par Chelson Hermosa, le personnage Petit Abou, et puis Chloette Jacinthe Lamaïmouna. Gain Erzui Dinaomé, qui c'est l'autre spectacle qu'on a fait, qui a fait 30 novembre et puis 1er décembre. Erzui Dinaomé, son pièce de Jean-René Lemoine, qu'on a présenté dans quatre festivals-là, qui était joué d'ailleurs à Nessa en juillet dernier, là, en lisant. Donc voilà, c'est ça qu'on a présenté comme événement. Et puis, il y a une performance explosive dans la rue Port-au-Prince, nous n'avons pas besoin d'être là, l'Abvini. Et il y a possibilité qu'il y ait un bonus, parce que nous avons l'autre encore, nous, pas jeune qu'on est, si nous jouons au Titan, et si nous jouons au Feeling, nous avons possibilité pour nous faire deux. J'ai noté annoncé l'un grand titio Jacques Mel a fêté Guédé c'est sous thème ça responsable Guédé Fest yo réalisé 3e édition yo
samedi 3 novembre 2018 l'an sous place à Toussaint Louverture. C'est dans l'idée pour faire promotion guidé comme patrimoine culturel pays. Activité ça t'es faite. Animation, show danse, c'est parmi quelques activités qui t'es gagné dans le cadre de la soirée si là avec divers troupes théâtre qui t'es présent et puis groupe musical qui t'es venu créer bonjour animation parmi yo groupe Racine Bookman Experience. Nixon Daverman à Kriti de Gerville a présenté nous un reportage. Yon photo baron qui se loi cherche ak vodouizan yo di ki pi influent nan mythologie vodouan ak yon photo représentant brave yon lot kategori loi nan panthéon an. Se de image personnage sa yo nan yon fason symbolique. Vodouizan moun ki interesse nan secteur culturel lan, Jacques Mélien ak Jacques Mélienne te mette en évidence pour valoriser toute loi qui en dan gédéan nan soirée si la. Ak yon série démonstration danse qui lié ak rituel gédéan, marié ak style africain haïtien, prestation qui baille envie pour j'garder sensibiliser petite tête Jacques Mel sur importance patrimoine culturel ça pour nous comme peuple raciniste sorti dans continent africain. Malgré temps la pluie, troisième édition a commencé animée à prestation diverses parmi au théâtre national à Claude qui sorti dans environ ville pour un public qui était paraître intéressé à aspect idée. Soirée a été occasion pour groupe Racine Bookman Experience qui déjà fait non l'industrie ak Badji, une formation musicale dans ville Jacques Mel, te continuer vulgariser valeur sociale qu'il t'y vaudouan ak divers morceaux qui dans répertoire sous tendance Racine là. Démocratiser Gédéan dans la cité Alcibiade pour Meiraclan, c'est souci tout acteur et coopérateur culturel dans la région. Directeur exécutif Gédé Fesslan, Richard Désir, salue l'engagement de divers mondes qui impliqués dans Baye Jarrette et Kilti Vaudouan dans le pays. Pendant l'encourager, le ministère de l'Éducation a intégré l'apprentissage Vaudouan dans le système scolaire. La promotion Gédéan, elle doit aller plus loin toujours. Et si nous regardons dans le curriculum l'école, nous avons aujourd'hui dans le nouveau secondaire, nous mettons sport, nous mettons ceci, mais nous pas jamais mettre enseignement du Vaudou. Et nous croyons que faut que le ministère de l'Éducation nationale pense sur ça, réfléchit sur ça. Il faut qu'ils mettent des cours dans l'école pour enseigner Timounio le vaudou. Ce n'est pas seulement le christianisme, l'église catholique, les protestants, qui ont la Bible, etc. Pendant ce temps, vaudou, c'est racine. Nous sortons en Afrique et nous, là, Timounio, par contre, on est exactement côté racine, nous sortons. Yo par contre côté au sorti et c'est ça qui bouille nous dans la société qui fait peut-être nous pas qu'à avancer. Jacques Mel a fêté Guédé, c'est sous thème ça, troisième édition Guédé fait cela réalisé. Yo manifestation culturelle qui vient ajouter sous potentialité culturelle cité a déjà gagné pour vendre bon côté Jacques Mel sous plan touristique. Jacques Mel sous Soumkoda, c'est ça tout Jacques Melien yo dit yo c'est Kwanembo qui veut dire yo c'est élément important dans affaire culturelle dans pays a. No. Delivre-nous la vie.
responsable salon international Livla Pierre-Paul Ancien bay bilan première édition activité sila qui était organisée dans ville Jarmel sorti 29 octobre pour arriver 2 novembre passé. D'après responsable là public la maison édition yo était satisfait de activité a même si bon côté responsable yo attente yo pas arrivé comblé en pile monde te boudé salon Livla dans avantage fête la Toussaint. Pour raison ça, responsable a souhaité gagner en pile changement qui pou fête dans organisation activité ça, notamment dans ça qui gagne pour à calendrier. En suivi intervention la Nami Côte Cavalcou à Kriti de Gerville. Saluer ministre Lapin qui aide concrétiser un rêve qui date de plusieurs années. En tant que président, nous avons dit que, par exemple, il y a un livre qui vend dans le salon, c'est Limina de Guy Victor, qui sort dans l'édition C'est toi. Donc, nous avons dit que le salon est vraiment satisfaisant. Pour moi, le salon est une réussite. Réussite parce que, comme première édition, et tout le monde est belle au champ, tout le public est belle au champ. Jacmel, auteur qui est venu, édition, maison de distribution, tant que communication plus par exemple, Yobel Auchan. Donc pour nous, c'est une réussite. Mais nous-mêmes, en tant qu'organisateur, en tant que PDG édition policière, nous ne sommes pas satisfaits. Pour deuxième édition, premièrement, c'est date organisation. Nous voyons que les week-ends, les La Toussaint. Donc, et, population déplacée, il y a GD d'eau. Nous ne pas contre ça. Au côté de nous, on va jouer à l'idée d'eau. C'est que chez nous. Je n'ai pas eu le temps pour venir au salon. Donc, deuxième édition, on a fait le moment côté de l'école. Ce salon, on a fait pour l'école. Vous comprenez, c'est un salon international du livre de Jamel que l'édition policière a fait. C'est une alternative que nous proposer à ce qu'a fait la société à l'Église. Amis téléspectateurs, moment arrivé pour nous observer deuxième position, restez branchés, nous obtenons après avec plus d'informations. Hey, pas d'avoir parlé. Oh, petit Joël. Je crois. Mes amis. Oh. Petit Joël, où est-ce que vous avez une lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse à tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campé, bye machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que ça arrive aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, ont habitude. Marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant dans la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Axum Entertainment. Nous tournons à propose là, merci parce qu'on toujours été branché Télévision Nationale d'Haïti. Nous allons poursuivre avec l'information pour nous faire connaître. Directeur association Kachimeyan, Guirigi Junior, fait connaître dans l'occasion 15e édition lancement festival Kachimeyan, gagne trois institutions qui portaient gros support financier. Grâce à trois institutions, ça y est, qui se focal, Wallonie-Bruxelles International et Institut Français, organisateurs à privé réaliser diverses activités qui tant que spectacle, exposition et projection. D'après directeur Guirigi Junior, association a arrivé collecter 225 000 goudes pour réalisation festival là à Nessa. N'a pas vite suivre un extrait dans micro Gabi Victor avec Lydie Dieudonné. Toujours focal qui toujours soutenir festival là. WBI, Wallonie-Bruxelles International et puis Institut Français. Institut Français même coréen net, non seulement coréen plus Liban plus moyen année ça
mais en même temps tout il va nous il fait nous participer dans la programmation donc c'est vraiment trois piliers importants pour nous dans chaque année. Le chiffre qui fait festival là, c'est Focal qui bat nous à peu près $25,000. Institut français année ça un vraiment plus, c'est-à-dire nous ca situé on va être pour 12,000. WBI ça fait festival à une base de $45,000 seulement pour toute Port-au-Prince. On pas quoi gagne un groupe compact jeu pour ça dans carnaval. Ça et nous-mêmes nous avons une programmation qui très riche. Nous devons aller chercher tout le reste comme la net pour nous faire festival là. C'est-à-dire chaque année, le budget est très branlant et l'année ça le plus branlant toujours. Même si nous faisons pile affiche, c'est parce que nous avons 15 ans. L'administration a dit que ça n'a pas fait là, nous avons plein d'aides parce que nous voulons absolument qu'il y ait un festival ça. Si on ne fait pas le festival 4 chemins, nous connaissons très bien les conséquences ça a gagné pour un pile monde, pour un pile jeune qui participent là-dedans. Pour tout le monde qui évolue dans le festival et pour tout le public là tout. Dans le cadre de la 3e édition Festival Guédé dans la ville Jacmel, l'initiative activité a en tête collée avec aide et action remettre un certificat à prime by 5 gagnants concours texte Guédé en poésie. Association a été réalisée sorti 20 pour arriver 28 octobre passé à en prélude avec fête Guédéa, non l'idée pour être capable de bailler jarrette avec langue créole. Jean Ropudi Supplice, qui remportait premier prix concours, a bénéficié 40 000 goudes. Anderson Alphonse, deuxième prix, lui bénéficié 30 000 goudes. Jean-Marcus Raymond, 25 000 goudes pour troisième prix. Nathalie Jean-François bénéficié 15 000 goudes pour quatrième prix. Et puis Daffy Raoul Lindor bénéficié 5 000 goudes pour cinquième prix. Précision Jean-Éligile, Nami Connexion d'Averman, Akriti de Gerville. Concours poésie, ça, c'est pour noter ça capable de permettre que nous bah, j'arrête à poésie créole haïtienne hein, dans Jacmel, parce que là, on parle de poésie Jacmel, il y a un pile de poésie française, bagaille classique. L'île qu'on y a pour jeunesse là, capable de montrer que l'île a talent aussi bien en français qu'en créole. Il y a un livre qui pourra le faire par les éditions Pulupsia. Édition Pulupsia sont éditions jacmeliennes et qui publient des livres jacmeliens. Et nous pensons que nous faisons une anthologie, une petite anthologie, qui a gagné un bon en français, qui a gagné tout texte et qui gagnant non en français. Et puis à côté, il y a un texte en créole pour montrer que et les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'exprimer aussi bien en français qu'en créole, et ceci avec beaucoup de talent, avec beaucoup de hauteur et avec des textes de qualité. C'est ça qui fait que nous faisons concours ça. Grand pile monde qui comprennent, l'oreille en créole, il faut mettre sous côté, alors que il y a une académie créole. Si nous avons une académie créole, ça veut dire que nous voulons mettre la langue dans et dans une certaine hauteur. Donc, moi, je pense que si nous avons fini de publier, ça va montrer que l'autre jeune, et le fait qu'il y a payé, il y a bayo prix, il y a bayo des statues et de Grande Brigitte et Baron Samedi, ça va permettre de montrer que l'autre jeune, l'année prochaine, il a engagé pour faire plus bel texte. C'est sous notre sens, amis téléspectateurs, nous mettons bout à la première parette du journal pour ce maintenant. Mais avant d'aller, quittez nous rappeler quelques points qui étaient faits essentiels jeudi dans le journal. Jacmel a fêté Guédé, c'est un baptême ça. Plusieurs milliers de curieux pratiquant vaudou et fait déplacement pour rendre dans la ville Jacmel dans l'occasion du déroulement. 3e édition Guédé Fest là samedi 3 novembre 2018 là. Événement ça a été déroulé sous place à Toussaint l'ouverture n'a souhait dans l'idée pour être capable de faire promotion pour Guédé comme patrimoine culturel pays. Journaliste romancier français Philippe Lanson remporté prix Femina 2018 là à Comali qui titré Le Lambeau. Roman ça qui racontait attaque qui était faite 7 janvier 2015 l'an sous magazine français Charlie Hebdo. C'est pour ça avec divers autres encore qui sont fait essentiel jeudi à dans journal là. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Merci à l'équipe culturelle et production qui permettent premier parler journal là river la caillou. Restez branché télévision nationale d'Haïti pour reste programmation yo. Prochain rendez-vous demain même heure même chaîne. Bye bye tout le monde.